Et nous avons évoqué des sujets d'intérêt commun relatifs aux conséquences humanitaires de la situation à l'Est, aux efforts de travailler sur le lien, l'impact entre l'humanitaire et le développement, avec des perspectives très intéressantes de concertation future. Nous avons longuement discuté des initiatives très encourageantes que le gouvernement a de créer des cadres d'appel de concertation pour attirer plus l'attention non seulement sur les problèmes humanitaires, les besoins de financer cette situation humanitaire, mais également appeler à une meilleure connexion entre les acteurs de développement et les acteurs humanitaires. Actuellement, les problèmes dans tout l'Est sont effectivement très importants. Ça fait plus de 25 ans que le CICR travaille dans l'Est et nous continuons à bénir comme ailleurs, à venir au maximum de nos capacités en appui aux populations qui sont affectées, que ce soit par des activités d'urgence, distribution alimentaire, de matériel, d'aide au retour, de réinstallation, également des activités de chirurgie pour les personnes blessées par armes, que ce soit à l'hôpital de Beni, à Ndocho, à Bukavu, ainsi que toute une autre palette d'activités en soutien aux autorités, notamment pour les problèmes d'eau et de sanitation.